Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc on se retrouve dans cette nouvel épisode de la Minute du Jour. Aujourd'hui, je vais te poser une question. Et donc du coup, ça va pas forcément être une très grosse réflexion, parce que la question est: quelles sont les personnes qui t'inspirent? Voilà, là je suis vraiment plus dans, on va dire, un appel à l'action. C'est-à-dire que je te demande quelles sont les personnes, les personnages ou la chose qui t'inspire le plus au quotidien, au travail, à l'école, j'en sais rien, là où tu es, quelles sont tes grandes inspirations, tes plus grandes inspirations. Moi, je sais que ce sont des artistes, donc surtout dans le domaine de la danse. Il y a plusieurs artistes qui sont de très 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 bons danseurs et eux, ce sont des personnes qui m'inspirent en fait et qui me donnent, bah, je sais pas, la volonté, le boost pour pouvoir m'améliorer et atteindre leur niveau. Il y a les danseurs qu'on appelle les twins, vous l'avez sûrement déjà vu quelque part dans une pub ou quoi que ce soit. Ce sont deux jumeaux qui ont une coupe afro et qui dansent super bien. Donc j'en suis sûr que vous les avez déjà vus quelque part. Si vous les avez jamais vus, bah, je vous invite à aller regarder une de leurs vidéos. Vous tapez les twins sur internet. Enfin voilà, eux, ce sont l'une des personnes qui m'inspirent le plus et qui m'aident à me développer en fait, surtout dans le domaine de la danse. C'est eux qui m'aident à me développer en fait. Donc après, voilà, je sais qu'il y a d'autres danseurs, chanteurs aussi, un peu comme Chris Brown, Usher, ce sont des personnes, voilà, qui m'inspirent tous les jours. Tous les jours, ils m'inspirent. Donc du coup, je te pose cette question. Quelles sont les personnes, personnages ou quelque chose, ça peut être aussi quelque chose, qui t'inspire? Je t'invite à le mettre en description et du coup, on peut continuer à discuter sur ça dans les descriptions. Voilà, alors c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo de la Minute du Jour. Je te dis, passe une bonne journée. Ciao.